Alors, un petit point linguistique, la différence entre signifiant, signifié et référent. Alors, premièrement, le signifiant est un son, un mot écrit, un geste ou une image qui sert à évoquer la chose dont on parle. Par exemple, si j'écris Pierre, Pierre, cet ensemble de six lettres me permet d'évoquer la chose dont on va parler. À la différence, le signifié est la représentation mentale qu'on se fait de la chose. Par exemple, quand j'entends Pierre ou que je lis Pierre, eh ben je songe dans mon esprit à une pierre. Pour finir, le référent est la chose elle-même, la chose réelle. Donc, par exemple, la pierre que je vois, celle que je donne, la pierre qui est dans ma main. Alors, un petit exemple avec des pommes. Donc, si j'ai une pomme qui est posée sur ma table, qui est réel, et ben c'est mon référent. Je dis à mon interlocuteur, peux-tu me passer la pomme? Donc j'utilise un signifiant avec la phonétique que j'ai mis ici. Et lui, dans sa tête, il va se faire la représentation mentale de la pomme, et puis il pourra se saisir du référent et me le donner. Donc voilà, merci beaucoup, et à une prochaine fois. Allez, ciao, bye!